pas ouf. Là, pas mal peut-être. Voilà. Alors ce petit village là, qu'on voit pas très bien, c'est Mézères. C'est par là qu'habitent mes parents. Et c'est là que j'ai vécu aussi une partie de mon enfance. C'est en Haute-Loire, en Auvergne, à l'est de l'Auvergne. Donc c'est construit comme ça sur une sorte d'éminence basaltique. Il y a même des orgues basaltiques comme on voit en Islande, mais il y en a aussi en France. Et tout autour, il y a un truc assez caractéristique de la région, c'est ce qu'on appelle les sucs. Donc vous voyez ces sortes de montagnes comme ça qui se dressent, des petits dômes qui se dressent au milieu de la plaine, au milieu d'un plateau. Et c'est des volcans endormis en fait. Ah ouais, on a ça aussi. Ça, c'est marrant. Ça, c'est des champs de lave. Donc des anciennes éruptions qui ont séché et ça fait des forêts de cailloux comme ça. C'est pour ça que les maisons ici elles ont des murs énormes, épais d'un mètre avec des grosses pierres de taille. C'est parce qu'il y a énormément de cailloux. Ça change un petit peu de mon setup londonien, hein, j'en suis conscient. Mais je me suis un petit peu habitué puisque ça fait 3 mois que je suis comme ça sur les routes de France. Et c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Avec mon acolyte Sam, on vient tout juste de terminer le tournage de la saison 2 d'Hyperlien qui nous a emmenés en Picardie, Franche-Comté, à Nantes, à Marseille, dans la Drôme vers Valence, de début juillet jusqu'à fin septembre. C'est pour ça que je me suis baladé un petit peu partout cet été. Cette année pour Hyperlien, on s'intéresse pas forcément seulement au numérique, mais plutôt à tous ces lieux où s'invente un petit peu déjà le monde d'après. Le premier épisode devrait sortir mi-novembre. En attendant, il y a probablement un teaser qui va sortir dans les jours qui viennent. Vous pouvez aller à cette URL, hyperlien.missionsocieténumérique.gouv.fr et lâcher votre petit mail, comme ça vous serez prévenu dès qu'il y a une bande-annonce ou un épisode ou un événement qui a lieu. Donc vous l'avez compris, on est fin septembre, le premier épisode sort mi-novembre. J'ai donc un petit mois pour monter tous les épisodes, presque tous, parce qu'en fait j'en ai déjà un dans les cartons et j'ai commencé déjà à monter le deuxième, et c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Je parle rarement de tech, de high-tech sur cette chaîne, mais je me pose la question de vous en parler un petit peu plus souvent, d'abord parce que c'est une grande partie de ma vie, hein, si vous me suivez sur Instagram, les claviers, les PC, les projets sur Raspberry Pi, et puis bien entendu la photo et la vidéo. Ensuite parce que j'ai l'impression qu'il existe peu de tests de matériel tech de la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tests en laboratoire, il y a beaucoup de benchmarks, il y a beaucoup de gens qui font des tests en une journée et qui renvoient le matériel après. Et du coup, je me dis que je pourrais appliquer au matériel tech la même chose que j'applique au sac à dos. C'est-à-dire que j'estime que tant que tu n'as pas utilisé quelque chose pendant au moins un mois, t'es pas en capacité de donner ton avis dessus. Du coup, c'est ce que j'ai fait début juillet quand j'ai contacté Microsoft pour leur demander s'ils pouvaient me prêter le Surface Book 3. Et du coup, je l'ai gardé pendant 3 mois et je l'ai utilisé pendant 3 mois. J'ai probablement un avis pas très technique, pas très geek, mais au moins un avis d'usage qui peut peut-être intéresser certaines personnes, notamment si vous faites
de la vidéo, de la photo, du montage, de la retouche et ce genre de choses. Alors en planifiant Hyperlien, je savais déjà que j'allais passer au moins 2 mois en France, parce que les tournages s'enchaînaient hyper vite, et je savais que dès le premier épisode, il faudrait que je commence à dérocher et à faire le pré-montage de l'épisode. Non pas que le client était pressé de voir le produit final, mais vu que les tournages s'enchaînaient très vite, moi ça me permettait de savoir, dès le premier épisode, si j'avais mal fait des trucs, si j'avais oublié des trucs, s'il y avait des choses que je pouvais améliorer. Donc c'est très important en fait de regarder ce qu'on a enregistré d'un tournage sur l'autre pour pas répéter les mêmes erreurs en fait. Ensuite, Hyperlien, je le filme en 4K, même si ensuite l'export est en 1080p. Et je fais aussi la colorimétrie, les effets, les synthés, les sous-titres. Du coup, j'ai besoin d'avoir un ordinateur puissant avec beaucoup de RAM et surtout une carte graphique dédiée. Tout ça dans un form factor à peu près compact, puisque du coup, je suis toujours en mouvement dans des trains de tournage en tournage. Du coup, le Surface Book 3 cochait pas mal de ces cases. Je vais donc vous raconter comment je l'utilisais avec des exemples concrets et parfois un petit peu techniques concernant le montage et la vidéo. Donc, tenez bon, je vais essayer d'être assez didactique. Alors, commençons très rapidement par le design et les specs. Déjà, le Surface Book 3, c'est un petit peu la réponse de Microsoft à Apple. C'est un peu l'équivalent du MacBook Pro. C'est un laptop qui a un look un petit peu particulier. Moi, personnellement, je le trouve très très beau. Le design n'a pas changé en fait depuis la version 2, ce qui agace beaucoup les spécialistes. Moi, personnellement, j'adore cette espèce de bloc d'aluminium très rétro-soviétique avec la charnière en chenille. Là. Il y a vraiment une esthétique partie du peuple dans un bureau tout gris à Moscou et franchement, j'aime bien. Niveau spec, on est sur un des laptops les plus puissants du marché, 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage en SSD, un écran tactile 4K au format 3/2 et pas 16/9, et surtout une GeForce 1660 Ti en guise de carte graphique dédiée. Seul le processeur qui est un Intel i7 Ice Lake, donc l'ancienne génération, qui peut paraître un peu sous-équipé par rapport au reste de la machine. C'est quand même une sacrée config qui a un prix d'ailleurs, hein, puisque ce modèle-là avoisine les 3 000 €. Mais en fait, il y a plusieurs configs possibles. Par exemple, la version 13 pouces d'entrée de gamme est à 1008. Puisqu'on parle d'argent, c'est le moment de vous dire que je ne suis pas payé pour faire ce test et que je rends le matériel à la fin du prêt. Donc je m'exprime librement sur le sujet. Alors évidemment, la fonctionnalité phare de ce laptop, c'est l'écran détachable. C'est la raison pour laquelle vous avez des contours très épais qu'on appelle les bezels. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis archi fan des écrans tactiles sur les laptops. J'ai développé des sortes de skills en associant souris, écran tactile, clavier, que je vous montrerai un jour parce que ça a complètement changé la manière dont je fais de la bureautique. Alors en plus, avec un petit stylet actif, franchement, c'est le bonheur. Mais l'écran détachable, c'est une connerie, je m'explique. D'abord, il y a le poids et l'épaisseur de cette tablette. Dans un laptop classique, tous les composants vont être à l'intérieur du châssis. C'est-à-dire le processeur, la mémoire, le disque dur, la puce graphique, le système de ventilation, tout est dans et sous le clavier, ce qui permet d'avoir un écran en fait très fin, ce qui n'est pas du tout le cas avec le Surface Book 3. Quand un écran se détache, il faut qu'il y ait à l'intérieur de cet écran un processeur, de la mémoire vive, il faut qu'il y ait une carte graphique, il faut qu'il y ait l'espace de stockage, il faut qu'il y ait un système de refroidissement, donc de la ventilation, une carte mère, la webcam, et dans le cas du Surface Book, même un système de charnière hyper costaud qui va prendre un petit peu de place. Donc oui, forcément, ça va faire un ordinateur en soi, donc ça va faire quelque chose d'épais et de lourd. Et ce qui est un peu triste avec ça, c'est que il reste dans le dock, ici, et ben pas grand chose finalement. Il y a un clavier, il y a une carte graphique, peut-être un petit bout de carte mère aussi pour faire fonctionner tout ça, et une plus grosse batterie. C'est tout. Donc Microsoft, pour la 4e génération de votre Surface Book, je vous conseille de mon humble perspective de garder le look rétro-soviète, hein, qui est très bien, mais de passer en 2-en-1 écran rotatif plutôt que écran qui se détache. Il n'empêche qu'aujourd'hui, sur le marché des laptops, il y a très peu de produits, c'est presque le seul en fait, qui réunit tous les critères qui pour moi sont très importants. Un 13 ou 14 pouces, à peu près fin et compact, avec plus de 16 Go de RAM, une carte graphique dédiée et un mode tablette. En fait, il n'en existe pratiquement aucun, à part ce modèle-là en 13 pouces. Donc il n'existe aucun autre laptop sur le marché pour faire du montage 4K comme ça en nomadisme. Alors si vous êtes abonné à mon compte Instagram, vous avez vu qu'au fil de l'été, j'ai mis à jour un fil en story sur mon utilisation du Surface Book 3, mes découvertes, mes problèmes et les éventuelles solutions que j'ai réussi à trouver. Et je vais vous faire maintenant du coup un petit résumé de tout ça.
Alors, petit point à avoir en tête, déjà, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a de plus en plus de logiciels professionnels de création qui utilisent l'accélération matérielle. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord utiliser la carte graphique pour ce qu'elle sait très bien faire, c'est-à-dire calculer du graphisme. Donc c'est très utile pour la colorimétrie, l'étalonnage, les effets, ce genre de choses. Et en plus, les logiciels vont utiliser la puissance de calcul de la carte graphique en plus de celle du processeur. Donc c'est comme si on avait deux processeurs. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lire un énorme fichier en 4K sans que ça rame, il faut avoir énormément de puissance de calcul. Donc un processeur dernier cri plus une carte graphique plus 32 gigaoctets de mémoire, bah en fait c'est pas du luxe. Et donc mi-juillet, après le premier tournage, après avoir réussi à faire de la retouche d'image sans problème, même un petit peu de son, et ben je mets le Surface Book 3 à l'épreuve sur du montage. Et là, catastrophe. Ça ramait énormément et donc je me suis dit, bon bah en fait c'est mort, c'est-à-dire que si un PC comme ça n'est pas capable de gérer des fichiers 4K comme ça en lecture, en fait il n'y a aucun ordinateur portable du marché qui peut le faire. J'utilise la version gratuite de DaVinci Resolve. Et en cherchant un peu, c'est assez bizarre parce qu'ils en font pas du tout la publicité en fait, l'accélération matérielle, elle est désactivée sur la version gratuite. Et donc il faut la version payante pour en profiter. Donc là j'hésite un peu parce qu'il y a assez peu de retours d'expérience sur les forums, les gens se posent la même question que moi. Est-ce que si je lâche 300 € pour acheter ce logiciel, est-ce que vraiment je vais réussir à lire mes fichiers 4K? Et donc là j'achète la version, je l'installe, je lance le logiciel. Ah ! Et là, miracle, mes fichiers 4K sont lus sans aucun problème, c'est hyper fluide, c'est très beau, je pleure. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien déjà que si vous manipulez, comme 90% des gens qui font de la vidéo, des fichiers 4K encodés en H264, comme ce qui sort d'un Sony A7 III par exemple, alors vous avez besoin non seulement d'une carte graphique dédiée, mais en plus d'un logiciel qui prend en charge l'accélération matérielle, donc soit la version payante de DaVinci Resolve, soit Adobe Premiere, qui me semble prend en charge nativement. De toute façon, il n'y a pas de version gratuite d'Adobe Premiere. Ou alors, si vous n'avez pas de carte graphique dans votre ordinateur portable, et bien à ce moment-là, il va falloir convertir tous vos fichiers, utiliser des proxys. Et ça, il faut le prendre en compte en fait dans votre workflow, dans votre processus de travail, parce que ça rajoute une étape qui est très très longue. Et en plus de l'espace de stockage supplémentaire. Il faut donc en conclure, malgré un énorme moment de doute, que niveau performance, le Surface Book 3, c'est une bête. Il est totalement à la hauteur de l'usage que je voulais en faire, et même une fois que l'épisode est monté, que l'étalonnage, la colorimétrie est faite, ce qui rajoute quand même un peu de charge sur la carte graphique, la lecture est toujours aussi fluide, il n'y a aucun problème. Et l'export d'un épisode de 20 minutes se fait en 12 minutes à peu près. Donc pour une utilisation dans la vraie vie, sur du montage semi-lourd, ça fait tout à fait le job. En termes de connectique aussi, c'est parfait parce que il y a un lecteur de carte SD, deux USB-A et un USB-C, sachant que à la fin d'une journée, quand il faut vider les cartes, il faut faire des redondances sur des disques durs différents qu'on va mettre à des endroits différents, au cas où on en perd un, au cas où il y en a un qui prenne l'eau, bref. Du coup, c'est idéal pour faire ça puisque vraiment toutes les connectiques, il n'y a pas besoin de hub ou de choses en plus. Maintenant, je vais parler quand même des mini-bugs, des petits inconvénients que j'ai croisés sur cette machine. Alors le premier truc très très chiant sur ce Surface Book 3, c'est tous les petits paramètres un peu cachés qui modifient l'expérience de l'écran, notamment les couleurs, les contrastes, etc. Alors d'abord, il y a une gestion automatique de la luminosité en fonction de l'environnement dans lequel on est. C'est ce qu'on trouve sur les smartphones et toutes les tablettes, et dans Windows, c'est assez facile à désactiver. Mais au fur et à mesure de l'utilisation, on se rend compte qu'il y a aussi un ajustement automatique du contraste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je switch de mon DaVinci Resolve qui est tout noir à une page Chrome qui est toute blanche, je vais me rendre compte en arrivant sur la page Chrome que le contraste est fortement baissé. Il va y avoir 5 secondes d'ajustement comme ça où le contraste va revenir normalement. Dans un usage assez casual, banal, de quelqu'un qui fait que de la navigation internet ou que du Word ou des choses comme ça, effectivement ça pose pas de problème. Mais quand on achète une machine comme ça, c'est pour une utilisation professionnelle où avoir une fidélité de la couleur c'est très important, d'ailleurs c'est un des arguments marketing hein, de Microsoft là-dessus. Avoir une option qui modifie le contraste tout seul, c'est juste pas possible en fait. Et en plus cette option, elle est pire que cachée, c'est-à-dire que pour la désactiver, il faut installer un logiciel tierce, qui est le centre de contrôle Intel, quelque chose comme ça, qui va nous permettre, caché dans les options, d'aller désactiver ça. Dans la même veine, j'ai dû modifier le profil colorimétrique du Surface Book 3, parce que j'avais un problème d'affichage en fait, entre quand j'étais sur Lightroom par exemple, entre ma fenêtre de développement, là où je fais mes retouches photos, et la fenêtre de preview, qui est en haut à gauche, n'affichait pas les mêmes couleurs. Il y avait une différence de température entre les deux. Ça aussi, c'est quand même assez fantastique d'être obligé d'aller changer soi-même le profil colorimétrique pour qu'il soit consistant sur toute l'expérience de l'ordinateur. Voilà, c'est les deux trucs qui sont quand même pas très pro et qu'on peut facilement corriger avec une mise à jour logicielle. Et un dernier truc qui ne pourra pas être résolu par une mise à jour logicielle, je pense, c'est que quand il
qu'il est branché sur secteur et que j'en ai une utilisation intensive, donc on sent que la carte graphique elle tourne, que le processeur il tourne, quand je suis en train de faire du montage typiquement, je prends des décharges d'électricité statique au niveau du poignet là, au niveau de l'angle du châssis. Donc ça c'est un truc, je suis pas particulièrement sensible à ce genre de truc habituellement, mais là du coup la plupart du temps obligé de mettre un petit chiffon ici pour reposer mon poignet parce que sinon je prends le jus tout le temps en fait, c'est très très chiant. Maintenant au niveau des trucs très cool que j'aimerais voir vraiment sur tous les laptops du marché, tellement c'est la base et tellement ça change la vie, il y a le fait de pouvoir ouvrir le laptop d'une seule main. Ça paraît hyper con, mais en fait c'est trop bien. La reconnaissance faciale, même si avec le masque ça c'est pas hyper pratique, en fait juste le fait d'ouvrir son laptop qui nous reconnaisse et qui s'allume et que lorsqu'on va aux toilettes et qu'on est dans un espace de coworking qui se verrouille tout seul, parce qu'il voit qu'on n'est plus là, ça c'est quand même hyper cool. Le lecteur de carte SD, parce que là il y a énormément de constructeurs qui sont en train de remplacer le port SD par un port micro SD, qui n'a aucun sens, puisque les professionnels de l'image utilisent principalement des cartes SD. Et enfin, le format de l'écran, qui est du 3/2 et pas du 16/9, le 3/2 c'est un ratio qui se rapproche plus d'une feuille A4 en fait que d'un écran de télé. Et en termes d'espace sur l'écran, en termes d'organisation, en termes de productivité, c'est vraiment formidable. Pour conclure, le petit verdict, hein, comme d'habitude, le Surface Book 3, il est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul ordinateur portable sur le marché à proposer ça. Mais par contre, l'année prochaine, il va falloir renouveler le design. Pas sur la forme, moi j'aime beaucoup déjà comme ça, mais sur la fonction. C'est-à-dire qu'il faut abandonner l'écran détachable et faire un laptop 2 en 1 avec un écran qui tourne à 360 degrés. Si le Surface Book 4 ressemble à ça, avec toujours l'accent très fort mis sur les perfs, ça lui permettra de perdre quelques millimètres d'épaisseur et quelques grammes, d'éliminer même le bezel, et là, on aura probablement le laptop ultime. Voilà pour aujourd'hui, je sais pas vraiment si ce genre de review tech vous intéresse. J'admets que vous n'êtes pas forcément abonné à cette chaîne pour ça, et en même temps, instinctivement, je me dis que ça pourrait vous intéresser, parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas de vidéastes, de photographes, de designers, d'architectes, de créatifs parmi vous qui utilisent ce genre de machine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas, et si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme test de matériel technique. Est-ce que c'est des ordinateurs? Est-ce que c'est des claviers? Est-ce que c'est des projets sur Raspberry Pi? Est-ce que c'est des appareils photo, des techniques vidéo? Tout ce que vous voulez, tant que ça rentre, moi, dans mon champ de compétences. En attendant, je n'oublie pas les sacs à dos, et ils reviennent très vite. Ils vont revenir en novembre, j'ai beaucoup de sacs à dos à tester là. Et n'oubliez pas de guetter aussi la sortie d'Hyperlien, ça me fera plaisir. En attendant, portez-vous bien et salut.